N'est-il pas pitié que de vrais seigneurs comme vous doivent obéir à cette femelle? Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, va-t'en. Allez. Faisons peur à ces hommes afin d'affaiblir son autorité. Comment? En semant le désordre sur les terres d'Artois. Mais ce comté sera tien un jour. Pour l'instant, il est à elle. Et c'est le meilleur moyen de le lui reprendre. Désormais, mes seigneurs, tout ce qui est à elle est à vous. Je suis la comtesse de Poitiers. J'apprécie peu qu'on me dérange avec tant de fracas. Elle est sortie de prison? Oui. Voulez-vous me dire vos noms? Car j'ai coutume de ne parler qu'aux gens qui se sont nommés. Je suis le sire de Soistre. Voici messire de Fienne, messire de Caumont, messire de Saint-Venant. Comment? Je n'entends que noms de gentilshommes. Je ne l'aurais point cru. À votre façon d'en user avec des dames, qu'il conviendrait de protéger et non d'assaillir. Vous cherchez la comtesse d'Artois? Je vais vous mener jusqu'à elle, mais à la condition que vous n'attentiez pas à nos vies ni à celles de nos soldats. Dans le cas contraire, c'est au roi, mon beau-frère, que vous aurez à en rendre compte. Réfléchissez, messire, et faites le bon choix. Eh bien, messeigneurs, avez-vous perdu la hâte de parler à votre suzeraine? Le courage vous manque-t-il au moment de l'approcher? Vous vous attaquez à ma fille pour me faire fléchir, sans sa manière de chevalier. Nous voulons savoir, madame, si vous allez enfin consentir à nous reconnaître nos coutumes, comme elles l'étaient du temps de Saint-Louis. Messeigneurs, alors, messeigneurs, vous voici mécontents. Eh bien, nous aussi. N'est-ce pas, ma mère? Si la comtesse d'Artois voulait vous châtier des mauvais usages que vous avez envers elle, ça lui serait facile. Messire de Soistre, le roi vous a envoyé deux émissaires avec mission de conclure la trêve. Pourquoi la refusez-vous? Mes compagnons n'ont plus confiance en la comtesse Mao. La trêve vous était demandée au nom du roi. C'est à lui que vous faites offense en doutant de sa parole. Mais monseigneur Robert nous avait assuré... À l'égard de mes bons sires, ne pas trop écouter les avis de monseigneur d'Artois qui parle un peu facilement au nom du roi. Il a perdu sa cause contre madame Mao. Depuis 6 ans, tout ce qui se passe dans ce comté ne regarde que vous, la comtesse et le roi. Allons, sortez d'ici. Et sachez faire entendre sagesse à vos amis. Vous la changez, voilà qui se prend pour un évêque en chair. Nous avons le désir très grand. Ah !
passe.